Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec la belle Vénus. Et Vénus, j'ai pas spécialement envie de te parler. Voilà, je suis désolé, j'ai envie de partir en date avec toi, ma belle Vénus. Alors Vénus, si je ne m'abuse, tu aimes la sexuality, je crois, et je suis équipé pour du talent. Ok, j'admets, c'est peut-être fun, et ouais, sexuality. Ok, donc on n'est pas équipé de la bonne façon pour cette charmante demoiselle, mais il va falloir s'adapter. Ah, c'est notre travail, mesdames et messieurs. Ah, nous sommes payés pour ça. Nous ne sommes pas payés. Ah, je tiens à le dire, hein, on fait ça parce qu'on aime bien jouer à jeu, mais bon, on peut faire croire qu'on est payé des millions. Alors... comment allons-nous récupérer des sentiments et de la passion? Alors, de sentiments, je peux en récupérer ici. De la passion, maintenant, la passion. La passion, c'est très important. La passion, on va la récupérer comme ça. Parce qu'on est obligé d'avoir un quotient passionnel, évidemment, un peu important, si on veut pouvoir réussir dans ce milieu. On aurait tellement dit un vrai truc de ouf. Alors qu'en fait... Voilà, vous avez compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes complètement con. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, on va faire ça. Ça m'a l'air bien. Ensuite, il nous faut toujours des sentiments. Alors, si on fait ça, c'est rigolo. Mais ça nous donne des moves en plus, mais pas de manière hyper, hyper optimisée. Donc, on va essayer de la jouer un peu plus subtile. Und das Subtility. Und das Einkloff Stupidity. Et les gens qui parlent pas allemand se disent waouh, il parle allemand. Et les gens qui parlent allemand se disent waouh, il est complètement con. Et là, c'est là la scission entre ma communauté et ma communauté. Oui, c'est entre ma communauté et ma communauté, je suis désolé, c'est comme ça. Et vous savez plus, vous êtes largué normalement à la fin de cet élément. Vous ne savez plus votre prénom, votre âge, votre date de naissance, la taille de poitrine de votre mère. Non, vous avez plus tous les fondamentaux que vous avez pris durant tant d'années, vous ne les avez plus. Doc. Ok. Ok, je les consume. Ok, c'est plutôt de la merde. On a 3 moves et il nous manque 3400 points. Autant vous dire que l'enjaillement, bon, il est pas à son niveau max. Ah, j'ai déjà vu des taux d'enjaillement bien plus élevés que ça. Je vais faire ça, écoutez, principalement parce que je suis en dépression et que je me dis, voilà, on va aller vite, on va pas se prendre la tête. Non mais, Vénus, ne t'en fais pas, tu es la dernière fille. C'est-à-dire que t'es la dernière case à cocher sur ma liste. Oui, ferme ta gueule. Tu es la dernière case à cocher sur ma liste et en tant que dernière case à cocher sur ma liste, je vais te faire la vie dure. Je vais te faire la vie dure. Alors première étape du moment où on te fait la vie dure, tu vas te dire oh, c'est pas trop la vie dure ça. Mais on va changer ça pour être tout le temps prêt. Ah, je suis tout le temps prêt pour toi. Et rien que pour toi. Ensuite, on va te parler un petit peu. Alors. Ah merde, depuis combien de temps elle vit Vénus? Mais j'ai aucune idée de l'âge de Vénus. Est-ce que fondamentalement 100 ans c'est raisonnable? Non, 1000 ans, oui, 10 000 années. Allez, nickel. Allez, voilà, on lui a parlé une fois pour faire genre, on était sociable, gentil, bien élevé. En vrai, on s'en fout, hein. En vrai, on est juste là pour acheter voilà, des cadeaux. Ça nous rapporte des honey, hein, mais Léonie, on s'en contre-tape. Ok, on a débloqué une nouvelle coupe de cheveux, ça c'est important. Mais oui, ça c'est important. Vénus, boum. Eh bah écoute, je vais laisser ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on va aller voir Belly. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi Belly? Oh là là, pourquoi Belly? Pourquoi Belly? Pourquoi Bella? Pourquoi? Ok. Eh bien, la réponse est simple. Pour aller voir une autre fille. Nikki. Et là vous allez vous dire mais pourquoi Nikki? On était à Belly, il est passé à Nikki. Pourquoi? Quelle est l'histoire de la vie? Quel est le cycle éternel? Eh bien je vais vous répondre, salut mademoiselle. C'est très simple, c'est pour aller dans le Girl Finder et on va aller voir Vénus. Et là vous allez dire mais pourquoi? Non, vous savez pourquoi on va voir Vénus? Pour aller la date. Et en fait on vient de faire passer le jour et on est le lendemain matin. Oh, the lendemain morning. Donc maintenant on peut lui acheter des cadeaux.
Mec lui achète des cadeaux tout le temps, tu sais. Ah, l'améthyste, ça coûte cher. Ok. Yes. Just come on then. Ouais, ouais, t'as pas toute la journée. Écoute, tu vas pas me prendre la tête. T'es à 2 étoiles et t'es hyper Arthur. Et elle est vraiment dure. Je sais pas si je joue mal ou si elle est dure. Mais je crois qu'elle est dure. Waouh. Moi aussi. Ok, donc, waouh. Donc, on doit se concentrer. Calmez-vous. Voilà, on va faire un truc au pif ici. Ok. Alors que si je fais ça, il se passe rien de plus, très bien. Ok, jusque là, c'est pas captivant, mais tout se passe bien quoi. Tout se passe correctement. Voilà, ça je l'ai senti venir, je sais pas pourquoi, une espèce de feeling. Ça c'est très important évidemment, 21 sentiments les amis. Ok, donc là, j'ai pas envie de m'engager comme ça et de dire je suis sûr de moi, ce que je dis est la vérité. Mais ce que je dis est sûrement la vérité. Il faut s'y faire. Ah, il faut clairement s'y faire, hein, c'est comme ça. Ça arrive à des gens bien, ça arrive à des gens bons aussi, hein. Vous savez, les petits trucs qu'on mange là. Enfin, qu'on mange ou qu'on mange pas d'ailleurs, je respecte. Manger du jambon, n'en mangez pas, c'est pas mon problème. Moi, ça ne me dérange pas. Et là, on a plein de points. Et quand t'as plein de points, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu joues comme le dernier des autistes, hein. Tu fais n'importe quoi. Mais c'est important, hein, ça fait partie du roleplay, quoi. Alors, on vient de faire 230 points en se masturbant intégralement. Si ça, c'est pas trop facile, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on fait des points. Bon, alors là, on l'a gagné, ce date. C'est-à-dire que là, je peux me mettre la main à couper. Bon, ça fait mal, mais je pourrais oser, quoi. Tellement je suis sûr de moi. Je transforme tout en cœur, principalement parce que c'est plus joli. Puis ça nous permet moins de risquer de perdre des points. Par contre, il faut pas faire ça, hein. Il faut rester concentré sur la stratégie. Mais moi, je suis un thug. Moi, je suis de la thuggerie classique. S'il fait que je tente ce genre de choses pour m'éclater. Mais ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux. C'est clairement dangereux. C'est pas ça que je voulais faire, merci. C'est pas ça que je voulais faire toujours. Merci. Ok, la teugrie classique nous ramène ici. Et voilà. Donc là, on a gagné. Et ça n'a pas été très compliqué avec tous nos bonus dans tous les sens. Et on a fait un max de money. J'ai de la money. Very good, you may have just earned yourself an auto-date. Ok, bah vas-y, on enchaîne. Non, c'est pas possible. Merci, bonne journée. Mouah, mouah, mouah. Donc voilà, donc vous avez compris la mécanique, c'est qu'on va s'amuser à se barrer et à revenir en boucle. De Vénus. You've unlocked Venus Trophy Wife Outfit. Ok. Alors, je veux checker. Putain. Donc là, c'est tous les objets que je lui ai donnés et qu'elle veut dans sa collection. Et Trophy Wife, évidemment, cette coiffure ne colle plus. On va repartir sur Diana, voilà. J'aurais pas changé de très longtemps, mais j'aime bien cette tenue. J'aime pas la couleur de ses cheveux. Purchase Gift. Donc, on n'a rien d'intéressant. Et ici, on a l'améthyste qu'on voulait. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper des autres filles, vraiment. Il faut cependant, c'est mieux, hein, je l'ai pas fait tout à l'heure parce que ça me permettait de faire une vanne et de vous le perdre un peu sans que vous compreniez exactement ce qui se passait. Mais on peut se permettre, quand on a les moyens, hein, chaque cadeau ne coûte pas le même prix, mais de checker où elle en est dans son inventaire de cadeaux. Par exemple, du côté de Tiffany, il en manque un de 6. Alors 6 et non pas View Inventory mais Purchase Gift. Et vous voyez que là déjà on en a 3 qui traînent. Donc alors est-ce que celui-ci en fait partie par contre? Oh, je peux prendre les 3. Si je mets celui-ci, on reçoit un présent évidemment. Ok. Non non mais ça m'embête ça. Ça c'est en kikinant. Merci. Et donc, est-ce que si je check ton profil, tu n'es plus qu'à 5? Non, d'accord, très bien. Et si là, je check ton profil, tu n'es plus qu'à 4, c'est sûr. Non, tu es à 5. Très bien. Très bien, très bien. Il y a 2 pages de collection. Mais quoi? Attendez, soit j'ai loupé un élément quelque part, ce qui est possible, c'est pas improbable que je loupe des éléments, soit quelque chose m'échappe. Bon, on va aller voir Aiko, on va
pas spécialement s'arrêter là pour le coup pour acheter des trucs ou je sais pas quoi, parce que ça ne sert à rien, visiblement, on n'a pas les moyens. On pourrait peut-être se permettre en vrai de regarder combien de trucs il lui manque et de voir ce qu'on peut lui acheter. Voilà, bah tiens, il y en a forcément de temps en temps au moins un. Et donc là, il y en avait un, c'était des pinceaux. Et là, vous allez vous dire, oh, c'était pas cher et tout. Mais c'était quand même des pinceaux à 100$ ou 200$. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait genre... allez, imaginons qu'il soit à 100$, ça fait environ 98$ de trop pour un pinceau. Et ça, ça faut dénoncer. Ça, faut se plaindre. Ça, il faut râler. Parce que c'est trop cher. Ah, j'ai reçu un message. Don't tell Q about this, but before I became goddess, I used to dance at the love clubs. I got asked to pay away through fairy school somehow. Ok, donc avant de devenir une déesse, en fait c'était une stripteaseuse, enfin une danseuse dans les clubs de l'amour. Moi j'appelle ça une stripteaseuse. Et il fallait qu'elle gagne son argent. Et elle était hyper classe. Alors là, je... Oh, oh. On a été gras hein, sur ce let's play, au bout du 43e épisode, on a le droit, vous voyez, même si on l'a fait dès le premier. Mais on remarquera quand même qu'elle est pétée de classe. Elle est pétée de classe et elle est hyper jolie. Toi, tu es ma miniature, voilà, je te l'annonce, tu es ma miniature, la bise. Mouah, mouah. Ok, nickel. Hi, what's up, BH? Alors, on va checker vite fait avec elle, donc il lui manque plein de trucs, très bien. On peut lui acheter des trucs, très bien. Qu'est-ce qu'elle aime? Ah, elle aurait aimé le sexual DC, j'y serais allé. J'aurais couché avec elle, évidemment. Mais ce n'est pas le cas. Donc j'ai dû choisir, j'ai dû me barrer. Parce que j'avais pas changé mon stuff pour elle. Voilà, c'est très simple, j'avais pas le changé. Mais on n'est pas obligé de jouer que avec Vénus. C'est-à-dire que Vénus, c'est bien parce qu'il faut qu'on lui fasse gagner des étoiles. Mais bon, il faut bien qu'on gagne de l'argent autour pour continuer d'acheter des trucs. Donc on peut continuer d'acheter des trucs. Les étoiles ici, on les aura bientôt. Donc on part sur le troisième date et on verra après. On part sur le troisième date avec elle. Enfin, troisième date de l'épisode, et elle est... Et sinon, on a fait beaucoup plus que ça, des dates avec elle, mais bon, passons. Ah bah bien sûr, on s'habille comme ça pour faire le marché. Non, mais t'inquiète. Ok, donc, même stratégie, les amis, que la fois passée. On essaye de se concentrer sur tous les éléments qu'on juge pertinents. Ça, c'est un très joli move. On va essayer de récupérer un bleu ici pour avoir des sentiments en plus. Oh là là, je voulais faire ça, mais ça va me piéger. Ah bah non, je peux faire ça. Ça voudrait dire que je perds les moves en plus pour essayer d'avoir un truc que je n'aurais pas eu au final. Mais très honnêtement, c'est pas très grave. Ça me peine pas à 2 milliards de pourcents d'avoir fait ça. Mais voilà. Je suis pas trop peiné. Voilà. Je suis bien. Je suis relax, je suis détente. Alors, tac. On fait tac. Mais tiens, on est à 20 trucs. Ça. On a 14. Ça. 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 Attendez là, calmez-vous bien là. Oh. Mec se vénère. Je sais pas pourquoi. Non, non, t'inquiète. Ça va bien se passer. C'était volontaire. Bon, c'était pas du tout volontaire en vrai. Hein. Une fois qu'on arrête de mentir, on se rend compte que j'ai pas fait exprès. Mais voilà, c'est maîtrisable. Là, bim, on s'est fait 3 moves en plus. En prenant en compte le fait que ce move-là n'a rien coûté. Et alors là, c'est n'importe quoi. 336 x 3. Ce qui nous fait, les amis, 18, 18, 9, 9, 9, 1000. 1008, j'en sais rien moi en fait. J'ai essayé de faire un calcul que je maîtrise pas du tout. Enfin, que je maîtrise peut-être, mais il faut que je réfléchisse, quoi. Qui a envie de réfléchir quand tu joues à un jeu masturbatoire? Vous avez les mains prises, moi j'ai le cerveau pris, il faut que je me concentre. C'est hyper sale ce que je viens de dire. Même moi je l'assume pas cette phrase, je me dis « Ah non, je suis allé trop loin, c'était trash !» Mais c'est pas grave. Il fait des vues, trash. Oh, il fait des miniatures putaclic. Ok, donc on continue, on récupère des moves, parce qu'on a que ça à foutre de notre vie. Évidemment. Et est-ce que vous en avez marre? Si on en a marre, on peut faire ça. Donc ça nous donne pas une mare hein. C'est tranquille ça. Mais le meilleur moyen de montrer qu'on en a marre, attention, non, finis pas. Très bien, c'est de faire ça. Voilà. Là tu prouves assez vite que t'en as marre. Et si je dis pas de conneries, peut-être que ça a augmenté mon argent. 4821 nani, c'est plus que
Une stratégie impeccable. Ah, j'ai une bonne stratégie et même elle, elle a appris des choses. Eh, hey, j'ai appris des trucs à une déesse de l'amour. Trop cool. Trop cool. Boobs. Donc, Precious Gift. Évidemment. Donc, la maison en oiseau, est-ce que tu la veux? On va vérifier parce que je suis sûr qu'elle la veut pas. C'est pas la putain de birdhouse, ça? Attendez, ça ressemblait vachement à la birdhouse. Non, je m'en fous du cadeau. Ok, elle la voulait. Mais pourquoi l'autre, elle la voulait pas tout à l'heure? Des chaussures? J'aime pas ça. J'ai même pas lu ce qu'il y avait dessus. Ok, bon, je sais pas pourquoi, mais ils veulent qu'on achète des trucs. On achète des trucs. Du diamant. C'est-à-dire que tu veux toutes les pierres précieuses. Non, mais... Ok. Non, mais j'étais pas sûr de ta mentalité. Maintenant, je sais. Je vais aller voir Jessie. Mais garde tes yeux sur moi. Hein. Je mords pas, quoi. Pas de soucis. Hein. Pas de soussaille. Ok, donc ce qu'on va faire avec Jessie. Ouais, très bien. C'est qu'elle, elle aime la sexuality. On va lui prendre une rose de tango. Alors, Jessie, par contre, je l'ai beaucoup côtoyée. Et donc, Jessie, peut-être qu'elle a presque... Ah non, elle a pas tous les cadeaux. Elle est encore en galère. Allez, on va faire un petit date. On va faire un petit date. Je m'entraîne un peu sur toi, voilà. Où est-ce que tu m'emmènes? Non, attends. Surprends-moi. Eh ben, écoute, je vais essayer. Je vais clairement essayer de te surprendre, mais je te promets pas que ça fonctionne. Oh là là, c'est souvent le cas hein, dans cette série, vous commencez à avoir l'habitude les amis, mais il y a des vannes que je n'explique pas, que je ne traduis pas, que je décompile même pas, hein, vous devez les interpréter vous-même et les comprendre vous-même. Celle qui vient d'avoir lieu, voilà, vous vous démerdez avec. Vous vous démerdez avec, je suis pas responsable. Ah, moi non, je refuse toute responsabilité, clairement. Ok, donc on va faire descendre ça là parce que j'aimerais bien tomber sur un orange. Je sais pas trop pourquoi c'est mon objectif de ouf du moment, mais j'aurais bien voulu, voilà quoi. Je veux des sentiments aussi. Ouais. Donnez-moi le orange que je veux. Ah, un rouge. Ah. Ils vont me donner tout sauf ce que je veux, mais j'adore. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a un défaut majeur, les amis. C'est qu'on a déjà plus de moves, hein. On a 6 moves encore. On a dépensé tout ce qu'on avait de la vie entière. Voilà, on va faire ça en mode un peu violent. Et il faut qu'on récupère des sentiments. 5 moves toujours. Il lui reste 2 moves, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça. Très bien. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça, les amis, j'ai pas le choix. Ça m'avancera pas. Le mec est en train de tryhard sa race sur un niveau qui a pas réelle importance pour la suite de sa vie, hein. À part gagner plus d'argent, mais c'est pas ça le bonheur. Ah, et là on perd des trucs, très bien. Alors, on va oser ça. On va oser ça. Là, mais là j'ai vraiment envie de réussir à remonter ce niveau-là. Je pense que je vais pas réussir, hein. Il reste que 5 moves. Mais je serais très fier si j'y arrive. Je serais très fier si j'y arrive. Donc je vais continuer un petit peu d'essayer. Putain, j'ai mal géré un truc, c'est que je pensais qu'il me restait 2 moves, ce qui fait que là, si je fais ça... Fail, ouais.
Ah là, bah non, c'était chaud, mais on s'est un peu défendu, on a fait 1700 de pognon. Ah, c'est pas un milliard, mais c'est pas dégueu non plus. C'est aussi ça qu'il faut relativiser, c'est que c'est pas atroce. On va voir si on peut lui acheter, les amis, un petit quelque chose, precious gift. Ah bah oui, non, je suis con. Gold Finder, on est en après-midi, on va aller voir Tiffany. Come on and see my real soon. Bah je vais voir your real daughter. Ça aurait été plus drôle si ça avait été ton fils, mais j'ai aucune raison d'aller voir ton fils. Ah, j'ai reçu un message de Vénus. Oh my, you introduced me to your retractable showerhead. It's magnificent, I have to know you. Ok. Bon, les amis, on va se laisser, se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Unstar Bleachers. Oh yeah! Allez, à la prochaine. À la photo, bande de coquins. Bye bye! Oh yeah! Bye bye! Ah ouais, il faut tout mettre! Bye bye!